Donc c'est parti pour l'invasion des terres de lune. Enfin, on appelle ça les terres de lune. Hein, c'est les plaines qui sont tout autour de la rivière Lune. Par-delà les collines d'Evendim, vers les montagnes bleues, la vallée de Lune va s'effondrer. Et donc là, on a pris la... Alors, bah, la prochaine bataille, ce sera la partie supérieure de la Lune. Enfin, de la vallée de Lune. Enfin, des plaines, parce que c'est pas vraiment des vallées, c'est plus des plaines. Celle qui touche la baie glaciale de Forenchel. Donc on est reparti à la reconquête de Forenchel. Qu'on avait perdu il n'y a pas si longtemps que ça. Allez, super. Pas trop de pertes. On aura assez de... On aura assez pour avancer un peu plus avant. J'aimerais bien laisser un pimpin et avancer cash vers la prochaine. Histoire de leur mettre la pâte et cash dès le début. Oh, je me sens si mal. Un pauvre chou. On occupe la ville. Est-ce qu'on peut déjà redemander? Non, c'est trop tôt pour redemander une nouvelle invasion. Enfin, ça serait bien sinon, hein, redemander une nouvelle invasion cash. Alors on va laisser quelqu'un ici. Mais tiens, on va laisser la cavalerie. Allez hop. Vous croyez que ça tient? Oui, ça tient. Repair, allez vas-y, repair-moi ça. Avec le nouvel save repair. Allez, va là-bas. Un objectif. Ils sont combien? 3? Oh mais merveilleux. Des gardes de Belégos, des plus si affinités, c'est super ça. On va monter droit vers là-bas. Le temps que leur armée débarque. Hein. Normalement on aura le temps de prendre 2 villes et de leur mettre un peu la trouille. Si on arrive à prendre ceci et Gare et Legos, ça sera pas suffisant. Hein. Mais par contre si on arrive à prendre ceci et Gare et Legos, ce petit village là et qu'on arrive après cache à arriver par ici à les embêter. Ça devrait être pas mal. Faudrait juste les occuper par là. Avancer, reculer, avancer, reculer. Ça serait dur de résister par contre. Hein. Et par contre, là, comme on a un peu lent, qu'on n'a pas d'autre. On a que dalle en fait là-bas, pour être honnête. Des catapultes, ouais, dans quelques temps, on pourra refaire une armée. On fera une armée de secours par là, on va pas attendre hein, pour faire une armée. On n'a plus beaucoup de sous, comment que ça se fait? On n'a pas. Ah, une faudra du Minas, ça serait gentil. Nous aimerions un Minas, s'il vous plaît. Sauvegarder Angmar 6, oui. Hop, et c'est parti. On verra le tour prochain, je pense qu'il y a des armées qui vont commencer à bouger, hein, clairement. Et ils vont commencer à recruter en masse. Ils ont de l'argent, hein, ils sont pas pauvres du tout. Ils ne sont pas pauvres, mais alors pas du tout. Cette région-là n'est pas encore tombée. Il faut prendre un Numinas dès que possible. Et de ce côté-là, comment ça se passe? Ça se passe bien pour l'instant, on dirait. Ouais, ils sont en train de mourir de faim, mais ça, c'est qu'un détail. Allez, tour 135. La, la, la. Ah ben Célonière est tombé aux mains des nains. Formidable. Du coup j'ai l'impression que nos alliés sont en train de mourir. Ce qui est un peu ballot. Un petit peu, un poil ballot. Si on avait de grosses armées, ce serait le moment d'envahir les nains. On envahit les nains, on prend la Moria et compagnie. Je peux vous garantir qu'on serait bien, mais ils ont de trop grosses armées pour l'instant. Le chef des Dunlands est mort, mince. Minas Morgul a été reprise, excellent. Minas Morgul est de nouveau entre les mains du Mordor, excellent. Ben c'est parfait ça. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, la partie Osgiliath, elle est entre les mains de cette faction-là, et la partie Anduil, je sais plus comment elle s'appelle, cette petite île-là. J'ai un trou de mémoire. On va voir un petit peu. Hop, j'ai une anti-sèche au cas de pépin. Voilà, Kaer Andros, voilà. Kaer Andros du côté de Mordor. Bah, ce qui est bien, c'est que du coup, le Mordor pourra s'intéresser à faire sauter ce verrou, et l'autre faction à faire sauter celui-là. Tandis qu'une autre faction encore, tout en rouge, sont occupées à passer par un autre point de passage, qui est les tirs Anduin, par là, le delta de l'Anduin. Ah non, on a recruté des pimpins, on a réparé une ville. On a une nouvelle mission. Prendre pète en lune. On doit péter en lune. Hein. Alors, on va voir. Ça saute. Dunlands dwindle à masse. Du coup, j'ai l'impression que les Dunlands sont en train de perdre, clairement. Ils sont en train de reculer. Massivement. Leurs terres sont prises par des personnes qui risquent de nous attaquer plus tard. Non, c'est pas cool ça, je suis pas très fan. Soudainement, là, je sais pas pourquoi. Ça devient douloureux. Tiens, viens par là. Il faudra de l'argent de ces jours. Alors toi, on te ressuscite. Non, t'es pas la peine. Toi, vie. Le Gondor se fait légèrement malmener, non? Le Gondor est en train de reculer, mais le Gondor est dominant au score hein, pour l'instant. Enfin, regardez d'ailleurs... Ça c'est nous, ça c'est tout le monde.
Ah, le Mordor vient de... Oui, tu as raison, Alpha. Le Mordor vient de d'écraser le Gondor au score. Il vient de rattraper le Gondor au score d'une manière magnifique. Oh, notre maître, on lui a rendu un fier service. Je crois qu'il a réussi à s'emparer de quelques terres elfes ici, qu'on dû lui servir à son économie pour se redresser en Mordor et en Eriador. En Eriador, il n'a pas grand-chose à faire, parce que du coup, les gens sont occupés à me taper moi. Alors, on va essayer. Dans un tour, on pourra attaquer ce petit village. On va prendre celui-là, Garth Erlegoff. On va sauvegarder. Non, non, on va sauvegarder. On va attaquer. Bon, c'est un petit village, on va pas s'amuser à faire la bataille. Ben si, on va la faire quand même. La schtroumpf, la na 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 na. Allez, c'est parti pour l'unification de la bête Forochelle entre nos mains. Enfin presque, parce qu'il y a toute une petite partie, celle qui dépasse, hein, qui est issue de la pointe des montagnes bleues, à l'extrême ouest, qui ne sera pas encore à nous. Mais là, on va prendre toute la partie de la baie du golfe, hein, qui touche. Ah, ça va être super. Allez, déploiement. Vous allez là-bas pour défoncer le petit muret. Hein, vas-y. Vous défoncerez le muret, comme ça ils seront à deux, ça va être super. Et les archers qui vont tirer des flèches, hein. Écoutez, c'est plus d'un archer. Tirer des flèches. Et notre magicien, qui est un numénoréen noir, doué de pouvoirs qui le rend pratiquement immortel. Et avant de voir un petit peu. Contrôle 1. Vrai contrôle 1. Et viens là-bas. Oh, tu te sens un peu seul, j'ai l'impression. Bon, ben c'est parti. Ah oui, c'est ça, tirez-nous. Si vous pouviez courir, ce serait un plus tout à fait appréciable. Hein. Voilà, petite armée pendant la nuit, pendant que... qu'il pleut et que... quelques petites bestioles, je ne me rappelle jamais le nom, font leur petit bruit nocturne. Il y a de l'orage, hein, mais c'est rien. On a mangé du cassoulet à midi, c'est un peu compliqué. C'est ce que c'est. Alors, mon devoir. Allez, avancez. Oui, là, on est prêt pour les flécher. Oh oui, il est prêt à flécher. Infanterie lourde, 65 pimpins. Mais si on peut regarder. Oui, là, on peut. C'est magique. Mais dépêchez-vous, feignasse. On va défoncer la porte, on va essayer de défoncer le mur. Allez, tirez-moi ça. C'est superbe. Toc toc, c'est nous. Ah, quand on toque à la maison, on rigole pas, non. Parfait. Et on vient de dégommer le mur en même temps. Voilà. Bon, mais les filles, je pense que c'est bon. Vous pouvez. Bah non, on est presque en tir direct là. On est presque bien là. Allez, placez-vous là-bas. On va prendre la ville. Alors, on a pris les murs, c'est très très bien. Bon, bah, contente-toi d'être passé par là, toi aussi. Et vous, essayez de venir par ici, hein. Voilà, on va les flécher au maximum. Ta da da. Allez, c'est parti. Coucou, c'est pour l'impôt, dit-il lorsqu'il détruit le poste. C'est un peu ça. On peut traverser là-bas? Non, non, j'avais cru qu'on pouvait traverser. J'allais me dire, mince, c'est trop fort.
Allez, je pense que c'est bon. On peut tous tirer en direct là, de là où on est. Quelques-uns tireront peut-être en parabole, mais la plupart tireront en direct. Allez, c'est l'objectif, hein, les fléchés. C'est de l'infanterie lourde, donc il va falloir les flécher pendant longtemps. On n'est pas vraiment là pour du tourisme, hein, mais... Faites les prendre votre temps, allez-y, hein. Voilà, allez, faites feu maintenant. Et ils sont extrêmement solides, les nains. Extrêmement solides. Ils n'ont pas de cavalerie, ils ont quelques désavantages. Presque le même désavantage que nous, en fait. Pratiquement. Sauf que... leurs unités sont d'une solidité. Le mal compense surtout par son nombre. Nombre avec un N, hein, pas le l'ombre. Bon, on va patienter. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de mort. Hein. C'est un peu compliqué. Personne veut mourir. Et il pleut. Hein. C'est pas très malin. Hein. C'est d'enflammer des gens alors qu'il pleut. Ça réduit les probabilités. Oh oh! Monseigneur, on subit une attaque! Fouillez! Eh ben voilà! Ah, mais j'avais oublié lui! Vous êtes des archers, vous? Vous auriez pu le dire! Crudité, regroupez-vous! Qu'est-ce qu'il dit? N'ayez pas peur, je viens pour vous. Bon, n'ayez pas peur et venez par là. Voilà. Courez, c'est gratuit. C'est du grand n'importe quoi, nos Diazels. Oui, t'as vu. C'est scandaleux. Insurge-toi. Allez. Tirez-moi ça, c'est gratuit. Mais tout est gratuit. Ce qui est bien avec moi, c'est que tout est gratuit. Mais dépêchez-vous de courir, nous, une pipe. On n'est pas là, concours de... On n'est pas dans un concours de lenteur. Oh là là là, mais ils sont d'une lenteur. Alors, 2% de mon côté, oui, c'est parti. Mais tire-moi les, je t'ai demandé de les tirer. Mais ils sont pas rapides. Qu'est-ce qui t'arrive? T'arrives pas à les tirer? Pauvre chou, allez, passe par là. Non, en passant par là, de grâce. Mais il est con. Il fait exprès. C'est scandaleux. Les nains sont très résistants aux flèches. Ah oui, oui, manifestement, ouais, ils sont super résistants. Courez! Vous savez, le verbe courir, c'est un verbe super, hein, il est bien foutu. Et ils sont 48 là-dedans. Oh, c'est que de l'infanterie légère qui en prend plein la tronche, c'est bien. Je suis une intelligent, dit Alpha Coyote. Quand j'avais fait une campagne naine sur Sandage Total War Vanilla tout court, je me souviens, on avait fait on en avait fait des jeux de mots sur les nains. Oh yeah. Allez. Un peu de courage. Et passe par le bon chemin, sinon je te brûle. Merci. Ben voilà, un peu de menace et ça passe. Alors on les tire par derrière, c'est peut-être pas très malin, mais comme en première surface, là, ce sont les... C'est de l'infanterie légère, hein. Pfff. Je n'y vois aucun problème. Alors, chers messieurs, dames, nous allons vous accueillir ici. Avec grand plaisir, soit dit en passant. Puis au passage, on va essayer de bloquer votre magnifique petit village. Quand ils seront un peu plus, ça va être tendu. Hein. Moi, je peux vous dire que quand on aura affaire à une armée, on va se carapater. Ils ont 3 à 4 armées complètes.
d'expérience, hein, je peux vous le dire. Ils ont 3 à 4 armées complètes qui ont en stand-by. Généralement, leurs armées restent coincées dans l'une de leurs deux cités au milieu de la montagne. Et elles restent toujours coincées là-bas. Et comme on est leurs seuls ennemis, bah, ils vont tout vomir sur nous et ils vont commencer à produire, juste pour nous. Il va falloir se comporter de manière honorable. Alors les gars, si on veut espérer leur demander une paix un jour, parce que là on s'est goûté de manière déshonorable puisqu'on a rompu un traité commercial, j'ai pas fait gaffe, mais on a rompu un traité commercial. Comme ça, sans vergogne. Hein, ça y est, ils en peuvent plus, c'est bien ça. Ils n'en peuvent plus. 13% de pertes quand même, hein. Et c'est parti, on les flèche par derrière. Et puis de grosses flèches, hein, c'est pas les petites flèches en mode coucou. Ben voilà, c'est parfait. On va surtout commencer à cramer des nôtres là. Oh, je crois qu'on a eu leur chef. Oh bah, c'est magnifique. Comme ils sont tout seuls, ils ont débandé après que leur chef soit mort. Et du coup, on a gagné en 2 secondes et 3 centièmes. Quoi, c'est formidable. Allez, fin de la bataille. Ça se Morholt, le menteur. Capitaine Glorin. Bah, fantastique. On a eu quand même quelques pertes. Hein, ils sont solides. Hein. Oh, ce petit chemin. Il est connu. Dans la forêt. Ce petit chemin qui sent la noisette. Voilà, des zones qui n'ont jamais spécialement été particulièrement habité, la vallée de la lune. Bah, l'Arnor n'a jamais vraiment revendiqué, c'était une frontière, il n'y a personne qui s'est vraiment installé là-dedans. Alors, il y a juste un soldat capturé, on peut rançonner. Et vous rejeter. Bah, au moins on aura rançonné. Hein. On va juste occuper la ville, comme ça, ils diront pas qu'on est d'obscurs salauds. Et vous êtes des salauds, vous avez exterminé tout le monde, nanani, nanina, voilà quoi. La totale. On a encore de quoi pouvoir se déplacer. Ben reste ici toi. Et on va se déplacer direction... Alors attends, que je réfléchisse. Northern Red Luin. Voilà, on va se déplacer directement pour reprendre Faham Gatol. Voilà. Parfait. Puis il se révolte pas, c'est ça qui est bon. Par contre, dommage qu'on ne peut pas recruter des mercenaires parce qu'on en aurait bien besoin là. Si on fait tomber Maam Gatol, on sera plutôt bien. Il dirait quoi faire tomber après Goon Zanur, mais ça commence à faire beaucoup. Hein. Il me semble que c'était un mode Lord of the Rings sur EU4 où on avait pété le compteur de jeu sur le Monin. Oh oui. C'est fort probable. Bonjour. Cessez le feu. Traités commerciaux. On vous rend une région. Je sais pas laquelle tu veux. Celle-ci ? Oh, celle-là. Balanced. Bah écoute, attends, tu sais quoi? On reviendra vers toi plus tard. On va te donner quelques sous. Bah, ça peut paraître sadomaso, mais on va leur donner quelques sous. Faire un petit paiement. Alors, dans 100 pièces d'or. On est en guerre, ils vont se demander pourquoi est-ce qu'on leur donne de l'argent. Vous allez voir, c'est stratégique. On va essayer de leur boucher le chemin, si c'est possible. Ah, ça, on peut les embêter, hein. Je sais qu'il risque de venir dans pas très longtemps. De ce côté-là, comment ça se passe avec nos chers amis? Ah, mais ils sont bien morts de faim, hein, question ça. Mais encore un petit coup. Si vous pouviez encore un peu mourir de faim, ça m'arrangerait. Hein, oui. Et par là-bas, pas de mouvement suspect. Bon, bah c'est très bien. Au niveau sous-sous, ça monte tout doucement. Il me faudra une minas, ça serait une vraie mine d'or, une minas. Et pour l'instant, on a du mal à le reprendre. Hein. On a du mal à reprendre Luminas. Là, on est à part égale. On va voir s'il nous chasse ou pas. Allez, c'est parti. Tour 137. Pourtant, c'était compliqué d'avoir la paix avec les nains des montagnes bleues. J'espère que leurs cousins ne vont pas se venger en nous attaquant nous. Ils sont de la même, enfin pas de la même maison, mais ils sont de la même. Ils sont du même clan, du clan d'Abaddon de Durin. Oh, Nord-Citilien a été rétabli? Sérieux? C'est scandaleux! Bah alors le Mordor, qu'est-ce que tu fais? T'es vraiment nul, hein, Mordor, hein. Allez, hop. Ah, l'ombre du... Bah ça y est, le Mordor qui domine partout au score. Qu'est-ce qui se passe ici? Projet de trésor total, ça baisse.
Faudrait absolument prendre Alumina, c'est une urgence vitale. Ils ont vidé leurs armées ou comment ça se passe? Aurions-nous bousillé leur économie par hasard? Alors on fait des échelles. Hein. Ils auront tous des échelles, ça sera mignon. Et on va leur prendre ce petit village. Alors attendez. C'est surprenant quand même, on rentre comme dans du beurre là. Je suis surpris. Mais je sais qu'ils ont de grosses armées. Tenez, là-bas. La grosse armée est là-bas. Et c'est l'héritier de faction de l'ère de Luine. Si on arrive à prendre ce petit village-là, on serait le roi du pétrole. Plus une ville qui est assiégée, je pense qu'ils auront tout ce qu'il faut pour se dire « Oulala, panique !» Ce qu'il leur resterait globalement que deux villes hein, de libre. Bon, une puissante cité. Et une simple ville. Là-bas, ce qu'on assiège, c'est quand même... je crois que c'est une cité hein, qu'on assiège. Non, non, pas nous. On s'en fout de nous. Enfin, je suis pas mécontent de nous voir, mais... Un bon nom en château. Oh, c'est tenu par qui? Guinard le Gros. Ah, bonjour monsieur. Il n'y a personne là-dedans. Non, juste quelques petites troupes qui traînent. Bon, bon, on va sauvegarder. On va attaquer. Alors, 215, on va faire ça à la main. Hein. Mince! Je l'ai fait en automatique et je l'ai fait à la main. Bon, c'est pas grave. L'occasion de faire des batailles. Voilà, la guerre entre les orques et les nains. La bataille pour la rivière Lune.